Elle squattait auparavant ce lopin de terre qui finalement a vu la propriétaire les déguerpir. D'où, ne sachant où aller, elles ont été obligées de transformer cette avenue en marché de fortune, donnant ainsi l'image d'une avenue non praticable alors qu'elle ne l'est que la nuit, aux heures où ce marché semble être fermé. Tant de promesses leur ont été faites par les autorités, mais aujourd'hui, elles disent être lésées et ne savent plus à quel saint se vouer. Si ce n'est qu'implorer le bon Dieu afin de toucher les décideurs de ce pays pour que solution leur soit trouvée, car les conditions de vente sont déplorables. Dixit, les vendeurs et vendeuses du marché Safoumou qui ont prêté la voix des sans-voix afin que leur doléance soit enfin publiée et écoutée. Elles pensent et croient que dans les prochains jours, des solutions leur sera apportées en ce qui concerne le marché de Safoumou.